Pour écrire Rue du Passage, j'ai puisé mon inspiration dans ma mémoire, donc dans ces années 80 que j'ai moi-même traversées, des années 80 que j'ai passées dans un quartier populaire habité par des immigrés, des exilés, des personnes originaires d'Afrique, d'Afrique du Nord en particulier. Et j'ai essayé d'aller rechercher les moments de joie en particulier, les moments de solidarité. J'ai essayé d'aller rechercher la beauté, une certaine esthétique aussi, assez typique des années 80. Les années 80 de manière générale, donc des couleurs acidulées, des billes, la corde à sauter, une certaine musicalité aussi. Et évidemment que les personnages présentés comme étant fictifs dans l'histoire, donc il y a un certain nombre de métiers qui sont présentés. Il y a un passeur de cassettes, un ouvrier spécialisé, une mère au poignet, un sans-papier du papier peint. Alors ils sont fictifs, c'est une histoire fictive. Mais évidemment que ce sont des personnages qui ont habité ma vie et ma mémoire et ils font référence à cette solidarité que j'ai connue, à cette communauté dans laquelle moi-même j'ai pu m'émanciper. Alors moi, je n'ai pas voulu dans ce roman, dans ce livre, parler de la classe ouvrière immigrée comme d'une classe sociale, avec une perspective sociologique, une perspective politique. Moi, j'ai vraiment voulu raconter une histoire, une petite histoire en fait, banale, quotidienne. J'ai vraiment voulu passer par le conte, par le regard d'une enfant aussi, donc un regard enfantin, où l'enfant justement cherche la magie, cherche l'amusement, le jeu. J'ai vraiment voulu passer par ça pour en réalité dire plus de choses, pour en réalité avoir un propos encore plus radical que le propos que j'ai pu avoir dans mes livres précédents, c'est-à-dire dans mes essais politiques. Je trouve que le récit littéraire, et notamment le conte, la fable, permettent de dire plus de choses. Déjà, de manière très immédiate, permettent de rendre compte, comme à travers une photographie, en fait. Voilà un peu, de manière un petit peu impressionniste, ce qu'étaient ces communautés, ces quartiers populaires. Mais ça permet aussi, en rusant un petit peu, en passant par l'histoire d'un oiseau majestueux, un lion, un chasseur, des épices, ça permet de dire l'importance du fait communautaire, de la joie communautaire et de la fierté communautaire. Et ça, je pense que j'aurais pas pu le faire, le dire, le signifier dans un essai politique. C'est vraiment le récit littéraire qui permet, je crois, je pense, j'espère, de dire la force, en fait, d'émancipation que peut constituer la communauté dans un pays, la France, qui n'encourage pas et le fait communautaire, et la joie communautaire, et la fierté communautaire. Donc vraiment, le récit littéraire, je trouve, offre plus de liberté pour justement pour ce propos en réalité politique. Moi, je voulais vraiment raconter l'histoire de cette petite. Je voulais vraiment me mettre à sa hauteur. Donc, cette enfant, Salima, elle a entre 5 et 10 ans. Donc, c'est entre 1983 et 1988-89. Et je voulais vraiment mettre l'histoire de l'immigration ouvrière des années 80 à hauteur de cette gamine très curieuse, espiègle, et qui recherche un ange gardien, son ange gardien. Cette curiosité-là, cette recherche, en fait, cette quête, vraiment, je trouve qu'elle permet d'exprimer beaucoup, en fait, de ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire, encore une fois, la joie, la fierté, la solidarité. Vraiment, oui, c'est vraiment le récit littéraire et précisément le récit littéraire à travers le regard de cette petite qui permet ça, je crois.